Allez, go, c'est reparti pour Book of Demons, saison 6. Hop, allez. Épisode 6 plutôt, ça ira mieux. Et on était quasiment au bout de l'aventure. Il était temps. Parce que j'ai quand même envie de passer à autre chose. Alors, du coup, j'ai mis ma caméra en haut pour qu'on puisse voir un peu comment s'appelle, ma barre de vie, etc. Putain, qu'est-ce qu'il est beau, mon guerrier. Le guerrier de la salamandre. Il est trop beau, quoi. Allez, go, c'est parti. Alors, en ville, j'avais plus grand-chose à faire. On avait déjà un peu tout torché. J'avais amélioré mes cartes, etc. Donc, tout va pour le mieux. Et il ne restait plus qu'à descendre, jusqu'à l'archidémon. Et avant ça, il fallait que je termine un peu tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et ça part de là. Allez, go. Elle est devenue bleue maintenant, quoi. Avant elle était verte, là maintenant elle est devenue quasiment bleue. Je sais pas si c'est la lumière qui a changé sur le truc ou quoi. Bizarre. Hop hop hop. Putain, je suis pas arrivé à l'heure. À l'arrêter. Je l'échappe vraiment à la dernière seconde. Allez, 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 allez. Oh putain, les mecs, à chaque fois qu'ils courent à droite, à gauche comme ça, là. On fait perdre du temps, quoi. C'est hallucinant, quoi. Il me fait perdre un temps monstrueux, lui, là. La musique est bien plus présente qu'au début du jeu quand même. Ça a changé vachement, enfin radicalement. Plus sombre. Et c'est vrai qu'entre-temps, plus l'endroit où je descends, plus ça devient dur. Je sais pas si c'est les gardes ou quoi, mais je crois que c'est les démons.
douleur. Oui, aïe, aïe. Déjà au bout du level quoi en fait. Mais bon, il va falloir que je tue sûrement tous les ennemis qui me restent. Voilà. Déjà ça. Hop. Donc, je sais pas si je vais avoir besoin de potions. Ça devrait le faire. Oh là là. Je pense que l'archi me fasse chier, mais non ça va. Alors du coup il me reste 4 trucs à trouver. Ça devrait aller vite. Hop. Ouais, je crois qu'il y a tout qui est en bas. Au final, il n'est pas grand ce truc là. On dirait que je frappe sur du bois quoi, c'était bien. C'est bon, et c'est quoi le dernier truc? Putain, il est où? Ah, c'est tout en haut. À mon avis, ça doit être juste à la sortie. La sortie du level. Allez, vas-y, pop. Yes. Allez go, on dégage. Celui-là par contre va être chaud. Va être chaud et il va être long surtout quoi. À mon avis on va subir quoi. Yes. Je vais pouvoir réduire au silence, c'est une victoire. Parce que parfois il y a des pouvoirs d'invocation quoi, et c'est vraiment ça le souci quoi. Toutes les invocations il faut les briser. Sinon après ça devient n'importe quoi. Oh, putain j'y arrive pas. L'autre, oh, clairement pas j'y arrive pas. Ouais, c'est reparti pour le bordel. Ah, ce qu'ils font tomber, quoi. On a pas. Je sais pas si je vais m'en sortir là. Franchement. Putain, j'ai plus de mana, j'ai plus rien. Oh.
J'ai encore la truite devant moi. Yes. Putain, j'ai pas le temps. J'essaye de les contrôler tous là. Voilà, j'allais dire, il y en a qui sont très incantés, mais bon. Slaras le géant. Oh, putain, en vrai, ça va être chaud aussi. Ah, c'est bien du coup que je sois au milieu comme ça là. Ça va, ce qui est bien, c'est qu'il est dans le feu, quoi. Dans le feu, ça va. C'est bon pour moi, ça. Peut-être que je me soigne un jour. Allez, crève, crève, crève. Go to hell. Yes. On écoute ce que je dis, on donne de la mana, vite. J'ai torpillé aussi depuis tout à l'heure. I like that. Rah. Great. Yes. On a une du soleil à tous les coups. Ah, pleine lunaire. Je suis mauvaise langue. Ah merde! Alors attends, je vais aller vérifier, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, je vais aller vérifier. Je termine juste ça. Hop. Et ouais, parce que j'étais en train de me dire, putain, qui c'est qui me parle sur Discord? Allez, hop, 5 secondes pour ceux qui regardent. Alors. Ouais, ça va. Ça va, je te fais ça, y a pas de problème.
Je te l'envoie dès que je termine. Hein? Ça marche. Par contre, demain 18h, ça va être un peu chaud parce que normalement je passe un peu à la salle. Et donc je vais voir. Je vais voir au pire vraiment 19h, 19h30 ça tirait ou c'est un peu short. Du stream ou. Ouais, bah super alors, nickel. Bah alors à demain mec. Bonne soirée à toi. Ça va, pas de soucis. Sinon là je suis quasiment sur la fin du jeu en plus. Il me reste quelques étages à faire et puis après ça sera le boss final quoi. Donc enfin je vais pouvoir passer un peu à autre chose aussi quoi parce que... Parce que là c'est vrai qu'on dirait pas mais c'est assez répétitif quoi. En plus les donjons sont vraiment de plus en plus durs. Donc c'est pas évident là. Ça me gonfle à chaque fois, je suis obligé de claquer comme un abruti quoi. Je crois que j'ai passé un level, je m'en suis même pas aperçu. À force de me faire marcher sur la gueule. Ouais, j'avais un level, je l'ai même pas vu. Sans déconner, c'est une blague. C'est juste une blague ce jeu. Allez hop. Des cœurs, on frappe, on cogne. Je fais bien attention à ma barre de vie à chaque fois parce que ça descend tellement vite quoi à ce niveau là. Hop, vite, désenchanté. Mais après j'ai pas eu le temps. Oh là là, y'en a partout. Incoming! Ah, ça y est, c'est le rush. C'est la folie. Oh là là. J'ai plus de potions. Je suis mort. Comme il a fait la fête. Ouais, bon. Là ça pose un vrai problème. Il va falloir que j'achète des potions là. Je joue mieux, au choix. C'est soit l'un, soit l'autre. J'opte pour les potions. Aïe. Lève là. Lève-toi d'ici. Putain, je vais crever par poison. J'y crois pas. Oh, fuck. Bon, c'est pas bien grave. Hop, on récupère ça. Ah ouais, du coup j'ai même plus de pognon quoi. Ah, ouais, j'en ai désingué un paquet, mais c'est pas assez. Alors ce qui est bien là, c'est que j'ai plus que ma bite et mon couteau. Donc du coup, je peux plus rien faire. On va essayer d'aller rechercher notre équipement. Bon, ce qui est bien, c'est que les ennemis n'en reviennent pas, quoi, sur la route. Sinon, putain, ça serait tellement galère, quoi. Je crois que je me suicide si les ennemis reviennent. Ce serait juste horrible.
Où est mon équipement? Équipement. Putain, c'est le bordel. À moi! À moi! Yeah! Dracula revient dans la game. Là, tout à l'heure, c'était abusé, il y en avait trop. Il y en avait trop, quoi. Je me suis fait déchirer en 2-2. Et encore là, c'est pas improbable que je me fasse déchirer. Là, mon rêve, techniquement, c'est de terminer ce level-là. Pour pouvoir ensuite. Commencer à s'appeler à acheter la dernière compétence qui me manque ici, là. Et pouvoir m'équiper encore d'un truc. Et après, on sera bon, parce qu'en plus, je les ai là, les sous. Donc, c'est très très bien. J'avais dit que j'aurais toutes les compétences avant avant l'archidémon. Je le savais. Hein. Je pensais pas que ça allait arriver forcément, mais on me doutait quand même un petit peu quoi. Je pensais qu'il fallait que j'aille quand même aller chercher 2-3 pièces encore en certains levels. Genre même pour revenir en arrière, mais non même pas quoi. Et ouais, il est immunisé parce qu'il faut tuer lui. La blague. Descends, vite. Ah, j'ai pas eu le temps. Hop. Je sens que... Hop, on va pas vivre en harmonie. Toi et moi, hop. Reviens ici. Ne t'en va pas. Aïe, oui, aïe, oui. Putain, j'ai plus de potions, ça m'énerve. Récupère des cœurs. Je bouffe du poison, quoi. Je suis poison man, quoi. C'est incroyable, quoi. Eh mais... Putain. J'ai un système immunitaire et proche de zéro, quoi. Ah, je subis trop, quoi. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que nous avons par là? Mais absolument rien. J'aime bien les passages comme ça au Yagonal. C'est toujours un plaisir. Alors... Et mon épée enflammée, là. C'est moi où j'ai vu un truc se poser derrière moi? Et merde. Encore ça va, il a invoqué deux gobelins de merde. Si je me bourre pas trop. Si je ramasse assez de cœurs par terre qui tombent, ça devrait le faire. Lève-toi du feu, lève-toi du feu. Aïe 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 aïe. Ça va. Ok. Ça, c'est fait. Hop, on ramasse un peu des cœurs. Boost les araignées. Boost. Je vais mourir. Non. Horriblement tué, quoi. Putain, c'est une catastrophe. Je viens de crever en 2 fois, quoi, mais en même pas 5 minutes, quoi. Aïe, c'est chaud, ouais, c'est vraiment la dernière vague, quand même. C'est pas évident. Oh, putain, alors par contre, ce qui est gavant, c'est qu'il faut trop frapper tout le trajet, en fait, à chaque fois. Alors du coup, ça te laisse le temps de réfléchir à ce que t'as fait. Te dire à quel point t'es minable. À quel point tu joues mal. Je suis pas bon, à Book of Demon. Je sais pas jouer. Alors, c'était à gauche. Allez. Ah voilà, j'avais pas arrivé quoi. Alors là, comment on fait vu que j'ai pas de compétences? C'est à coup de poing, à coup de pied quoi. On dirait que ça marche mieux, quoi, en plus. Et bim. Oh non, pas l'archer. Pas l'archer. Allez. Allons chercher l'équipement.
Ça va invoquer tout encore. Laisse-moi aller récupérer mon équipement, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Ça, j'ai récupéré mon équipement, il y a tout le monde qui m'a sauté dessus, quoi. Aïe, aïe, oui, oui, aïe. C'est ignoble. C'est vraiment ignoble à vivre, quoi. Je vais mourir, je vais mourir. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Putain, je les perds. C'est très, 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 très dur. Sincèrement. Ça commence vraiment à devenir chaud boulette, quoi. Chaud patate. 111 000. Tout va bien. Hop, pas d'invocation. Ouais, je vais me prendre toute la magie dans la gueule. C'est pas grave, je l'accepte. C'est ce que je préfère. Et ouais, là on y est là. On est à la fin de ce petit level. Recule, 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 recule. Un truc qu'il y a, c'est que normalement je devrais pouvoir me restaurer la vie au fur et à mesure. Enfin, si on me laisse respirer 5 minutes, parce que c'est pas gagné. Ouais, je vais respirer un peu là, parce que... pas évident. Pas évident du tout. Je vais attendre au moins à 20, au niveau de la vie. Si c'est faisable. Alors du coup, je suis obligé de meubler. Pour pouvoir attendre que ça arrive à 20. Allez. 20. Bagarre. Bagarre, bagarre. Paladam, 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 paladam. Et sois un guerrier de la lumière. Hop, allez, go. Voilà. Et là, je charge. Dans un instant héroïque, Ricola charge. Tiens, oui, passe en vitesse spatiale. Aïe 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 aïe, je vais mourir. Allez, contre vent et marée, on avance et on va mourir. Olé. Eh oui, c'est bon, tais-toi, compris. C'est reparti. C'est reparti pour le show. C'est reparti pour la loose. Putain. C'est la troisième fois que je suis mort. Franchement, j'aurais dû utiliser la technique de la fuite et revenir un peu plus tard. Mais bon, attendre 3 heures que ma vie se régénère. C'est pas gagné, 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 gagné. ...77 de vie. Récupère tes sous d'abord, abruti. Voilà. Et ouais, le gros problème, c'est que j'ai vraiment pas de potion de vie, j'ai rien. J'ai l'impression d'être tout nu, quoi. C'est vraiment mon souci. Et puis en plus toutes ces flammes là. Oh mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Je suis sorti en fait, j'ai cliqué sur la sortie du donjon. Alors que normalement j'aurais pas dû. Parce que moi mon but c'est pas de sortir du donjon maintenant là tout de suite. C'est de tuer tout ce qui s'y trouve quoi. Je suis pas un lâche quoi. Je peux partir comme ça quoi. Allez, 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 allez. Et ben voilà, tu vois quand tu veux. Alors, maintenant je vais où, je fais quoi et comment? Est-ce que j'ai 2 heures? Alors. En plus là,
Il n'y a pas les petits trucs qui vont apparaître pour m'indiquer s'il faut que j'aille à droite, à gauche, en haut ou en bas. Non, il risquerait de se jeter. Vous êtes mort, suicide. Vous êtes horriblement suicidé. Oh putain, ça me les aurait mis à l'envers quoi. Alors on va redescendre tout en bas. Oh! Un cochon empoisonné. Est-ce que je peux passer à droite? C'est impossible. Est-ce que je peux passer en bas? C'est impossible. Putain, ils sont où alors? Où est-ce qu'ils sont les ennemis restants? C'est ignoble. Un cataclysme. Pom pom pom. Non, c'est pas bon non plus. Putain, je clique comme un ouf. T'as fait quoi de ta soirée? Ah oui, j'ai cliqué. Mais t'as joué un truc ou quoi? Non, non, j'ai juste cliqué. Allez. En fait, techniquement, j'ai même pas besoin de cliquer, en fait. Voilà. Le personnage, il avance. C'est con, hein? Mais je sais pas pourquoi, c'est l'habitude. Hop. Police à des pouvoirs, je désenchante. Aïe. Je me sens terriblement mal. Je sens pouvoir m'abandonner. Oh là là. Ça sent la chute encore une nouvelle fois. Oh, vite! Voilà, ça c'était bien vu. Bien joué. Je suis fier de toi, Anthony. Merci. Chaque victoire est une grande victoire pour ce petit ou pas. Tiens, tu en veux de la mana? Bouffe. Ben bois plutôt. Avance. Voilà. Du coup la fontaine s'est remise en place aussi. On va attendre encore un petit peu. Allez hop. Mec, en plus il sait même pas ce qu'il y a dans ses fontaines, il boit le mec. Il va avoir la peste, le choléra, tout ce que tu veux quoi. Le mec il a l'air. Yes. Ben voilà. Trop content. Level terminé. La grande classe. La classe à la française. Voilà. Et maintenant, ben, on sort de là par les marches, par les escaliers. Allez hop. Alors ça c'est fait. Et il nous en reste plus que deux en fait quoi. Excellent. C'est parti. Du pognon, du fric. Putain attends, je suis trop con. Faut que je ressorte. On va faire un petit retour en ville. On va faire quelques achats. Alors toi, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas, jeune fille. Et on va ouvrir le slot à 100k. Et j'ai toute ma barre de compétences. Je suis le mec le plus chanceux du monde. Enfin, surtout le plus riche du monde. Parce que... Enfin, maintenant, le plus pauvre. Alors, parfait. Perfect. Alors, est-ce que je peux charger ma carte? Je peux charger ma carte. Voilà, comme ça j'ai 8 potions. Et qu'est-ce que je peux améliorer? Désirez-vous améliorer cette carte, monseigneur? Alors ça peut être cool. Enchante. Alors ce qui est bien, c'est que j'enchante mes attaques avec la hache de feu. Et je peux avoir le fléau gelé. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Après, je peux rajouter peut-être encore des anneaux. Soigner le poison. Tire autant de cœur empoisonné que de poison soigné. Ouais, non. Ralentissement, voilà. La dague m'avait bien intéressé là.
Je vais voir le fléau gelé, détruit chaque cœur enflammé en un seul coup. Ça peut être bien parce qu'il y en a plein, quoi. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment plein. Je vais faire ça et je vais l'améliorer. Je pense que ça sera le mieux. Alors, tac, tac, et tac aussi. Allez, j'améliore. C'est parti. Transformation ! Énergie ! Hop, voilà, ça c'est bon. Allez, du coup, je quitte. Enfin, je quitte ça. Pour prendre le fléau gelé et me le mettre là. Yeah, prêt à l'action, succès déverrouillé. Je suis trop fier de moi. Je suis trop trop fier de moi. Hop, je mets les bijoux à la fin, comme ça. Et puis je suis bon. Je suis bon à repartir à l'attaque. Voilà, l'enfer ne peut plus rien contre moi à présent. Je pense que ça va chier. Oh, ça va chier. Je suis prêt à vous affronter tous. Hop. Et je croyais qu'avec le fléau, normalement les cœurs enflammés, je les cassais en un coup, quoi. Si tu voles, le jeu me vole, quoi. Je prends. Hop, on désenchante. Ah, l'autre j'y arriverai pas, trop loin. Je sais même plus où il est mon perso à force. Alors on rentre là, on fait une mêlée générale là. Et relorg bien. Ça va mec? Ah là je suis en mêlée générale là. C'est un peu comme le rugby, sauf que je suis tout seul contre une équipe de 20 000 quoi. De la mana. Oh là là. Oh là 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 là. Je ne contrôle plus mon poignet. Allez, on recule, on replie stratégique. On appelle ça comme ça. Mais mon dieu, ils sont beaucoup trop. On peut le faire. J'avoue. Qu'est-ce que c'est beau. On dirait un feu d'artifice. C'est fantastique. J'en veux encore plus. Plus de couleurs qui explosent. Ah, c'est abominable, je te jure, quoi. Depuis tout à l'heure, ma vie, elle fait monter, descend, monter, descend, monter, descend, elle fait que ça. C'est fantastique. Hop, une potion. Putain, j'en ai plus qu'une. Horreur et damnation. Aïe. Eh oui, tiens, bois. Bois et ferme-la. Hop. Olé. Ça rigole pas. Attention. Ah, c'est toi qui depuis tout à l'heure me fait pop les petits gobelins là. Voilà. Comme ça. Comme ça la vie. Alors. Les archers, franchement, je déteste les archers dans ce jeu, quoi. Je les trouve trop puissants. C'est autant les autres, il n'y a aucun problème. Enfin, façon de parler. Mais y en a, c'est trop trop abusé. Non, pas encore. On va utiliser la truc. Ah, et ça y est, c'est reparti, quoi. Moulon, quoi. Un putain de gang, quoi, je te jure. Allez hop. Et salut Daiku. Comment tu vas? Ah non, c'est clair, c'est le mal incarné, quoi. C'est tout à fait ça. Le truc qu'il y a, c'est que les carreaux qui tirent, ils font super mal en fait.
Là, le truc, là, c'est que je suis en plein milieu des flammes. Alors qu'en plus, je résiste pas, quoi. Ça va, écoute. Petite soirée pépère. Là, on est sur la fin du jeu Book of Demons. Et je suis plutôt content, quoi, parce que, bon, du coup, je suis pas mort autant de fois que ce que je pensais. Et y a que vraiment là sur la fin que je m'arrête pas de crever. Mais encore, ça va. C'est gérable. C'est pas infaisable, quoi. Voilà, quoi. On va dire, j'ai vu pire, quoi. Si je devais comparer au niveau des morts et tout, je dirais que ça va, quoi. Par exemple, comparé à Dark Souls ou quoi, je suis mort des milliards de fois sur Dark Souls, quoi. À me jeter par terre et tout, quoi. C'est, moi, je jouais à Dark Souls, je vivais Dark Souls, quoi. C'est franchement la pire fois, putain, c'est quand je me suis retrouvé à me jeter par terre, quoi. Oh, j'ai halluciné, quoi. Putain, en fait, je suis demeuré, quoi. Je me jette par terre pour un jeu, quoi. J'en avais tellement marre de retry. C'est incroyable. Tu sais, t'as l'impression qu'au bout d'un moment, le jeu, il te prend pour un con, quoi. Tu t'acharnes sur un truc, alors que tu sais très bien que tu n'y arriveras pas, des fois, mais tu le fais. L'espoir, tu vois. Alors là, je suis gelé. Ok. Tout va bien. Et sursis, monsieur. On va lui faire sa fête. On lui va prendre le respect à son pantalon. Alors. Du coup, il est parti, tu vois. Ouais, j'avoue, l'espoir fait vivre. C'est souvent comme ça en plus. Allez, c'est reparti. Alors là. Normalement, c'est Gérard. Putain, il est trop loin de moi. Je peux pas désenchanter son pouvoir. C'est une honte. Alors, je me décide auquel je fais. Alors, vous inquiétez pas, mon perso est toujours en plein milieu de l'écran. Je sais qu'on le voit pas beaucoup, mais il est toujours là. Descends, hop. Bon, je sais que t'as plus de mana, t'inquiète pas. Putain, la musique qui s'emballe là depuis tout à l'heure. Allez, il est parti. Meurs, démon! Allez, vite. Zing. Winbang. Oh là là, vas-y que ça fait pop des démons, quoi. Normal, quoi. Putain, mais jamais vous reposez, quoi. Tu vois, la place de dire putain, le mec quand même il en chie depuis le début du jeu, quoi. On devrait quand même le laisser un peu tranquille. Go to hell! J'adore à chaque fois quand il le dit. Alors. Continuons notre périple. Tac. Oh, tu es trop loin là pour que je te désenchante. Ouais, avec une potion. Aïe, avec une potion c'est gérable si je m'y prends bien. Si je récupère tous les cœurs à chaque fois, ça devrait le faire, quoi. Ouais, je pense. Allez, vas-y que je suis stun. Cette grosse blague. Allez, boum, j'ai plus de potion. Oh là là. Misa Gungan a mal à la tête. Quelle brutalité. Alors, aïe. Il va falloir que je recule là. Je n'ai d'autre choix que de reculer. Pourquoi j'appuie sur la touche? Ça chante très bien que j'ai en écoute. Mais je recule. J'ai pris trop de risques. Alors, est-ce que par là, il y aurait une fontaine, par le pur des hasards?
Oula non. On va éviter d'aller par là. On va se les faire petit à petit, tranquille. Voilà. Histoire de se lever du milieu parce que ça devenait n'importe quoi. Je vois les étoiles. Voilà. Très bien ça. Ah, le but en fait, c'est de prendre son temps et d'y aller tranquille. En touriste quoi, bref. Et même dans les poches. Et une fois que t'as fini le jeu, de dire ouais, c'était pas super compliqué en fait quoi. C'est voilà, c'est ça en fait le but à la fin, c'est de se la péter comme ça quoi. Alors, heureusement qu'on peut attaquer à distance. Ouais, tu peux attaquer à distance, vite fait quoi. C'est ouais, tu vois, voilà, de là à là, ça va. Fais voir, regarde, si je me mets là, tu vois, je peux pas l'attaquer. C'est, il faut vraiment que je sois de là à là pour l'attaquer. Sinon, ça passe pas. Bon, après, ça, c'est juste le guerrier parce que t'as le rogue et le mage aussi. Mais je les ai pas encore joués. J'ai débloqué le rogue. Enfin, la rogue, on va dire ça comme ça. Mais le mage, je sais, il me semble avoir déverrouillé. Mais j'ai pas envie de jouer avec. C'est bon. Je sais que j'ai pas de mana, c'est bon. Ça sent la mort. Allez, qui c'est qui va me tuer? C'est l'archer. Je suis mort. Bon, eh ben soit. On est reparti. Ah, t'imagines tout ce que j'ai à tuer, quoi. C'est une horreur, quoi. Eh, j'aurais dû revenir au début du jeu. Au début de la map, y avait tout ce qu'il fallait, tu vois. J'y ai pas pensé. Je suis tellement débile. Je mérite un châtiment corporel pour cela. Fouettez-moi. Oh oui, fouettez-moi, messire. Alors, papa. Attention, j'arrive. Attention. Alors, il me semble que c'était par là. Si je ne dis point de bêtises. Et ouais, dommage. Oh, que c'est dommage. Et ouais, même moi, je suis très triste de cela. Putain, j'ai plus de potions, j'ai plus rien, j'ai l'impression d'être un clodo. C'est hallucinant. Avance, avance. Hop, hop. Voilà. On avance prudemment, sagement. On va pas utiliser la fontaine, parce qu'on sait jamais ce qui pourra arriver à tout moment. Allez, empoisonne-moi. Voilà. Ouais, comme ça il est content, ça lui fait plaisir. On va attendre que le poison passe. Voilà, c'est parfait. Aïe. Allez, te laisse pas faire, prouve que t'existes. Ah, j'y arrive pas. C'est quoi tous ces trucs qui tombent? Bim bam boum bam poum. Ah, putain, c'est quoi qu'il a invoqué encore? Wouhou! Level up. Hop, super. J'aimerais remercier mes parents pour cela. Mon producteur, mon manager. Alors, en haut. Je peux pas aller en haut. Je crois que de l'autre côté aussi, il y avait un coffre à faire. Mais sans potion, ça va être très compliqué. Le pire en histoire, c'est que c'est vraiment la seule chose qui me manque. On va aller le faire, c'est triste, mais on va être obligé. Dive. Allez, go. Go, coffre. Et il est 23h16. Travailler dire que demain on reprend le taf. Bim. Ah. C'est bien ça.
Voilà, ça y est. Là, je retrouve un peu de consistance. Je redeviens bonhomme, quoi. Ça y est, là. Je retrouve des potions. Je me sens mieux dans mon corps. On va dire ça comme ça, quoi. C'est mieux, là. Je me sens en sécurité, maintenant. Mais, putain, pourquoi j'ai fait ça? J'ai utilisé le bénitier pour rien. On dirait qu'on est sur Kashyyyk. Hop, récupère des cœurs. Pourquoi il s'en va? On était qu'au début de notre relation, pourtant. Aïe. Au feu, les pompiers, la maison qui brûle. Et hop, ninja. Alors, maintenant, coffre. C'est parti. Invocation de gros vilain. Qui c'est qui va prendre cher? C'est moi, c'est Antoine. J'ai pas de mana. Putain, mais elle me sert à rien, mon amulette, en fait. Ah, j'étais obligé. Voilà, ça c'est bon, ça. Aïe, aïe, aïe. Ah bah ça va, on a encore le Benichi à côté, au cas où il se passerait quelque chose d'ignoble. On peut toujours compter sur ça. Il va falloir que je fasse méga attention, quoi. Allez, prouve que tu peux le faire à l'audience. Prouve que t'es un vrai guerrier, quoi. T'es un vrai mec qui pleure pas, quoi. Je vais jamais y arriver. Allez, go. C'est parti. Prends le respect à ces démons, quoi. Run away. C'est bon. Chargé. On peut le faire. On peut y arriver. Parce que le coffre offre des bonus intéressants. Beaucoup d'argent. Et des runes. Des runes qu'on trouve pas ailleurs. Donc, il est intéressant de s'en procurer. Voyez-vous? Voyez. Allez, bim. Vas-y, prends ton temps surtout pour le frapper. On est pas pressé. Hein? C'est pas comme si tu travaillais demain, hein, toi? Espèce de connard. Ah non, lui est là, il sauve le monde. Hein? Nous demain on bosse, alors bouge. Il y a un truc qui a fait ping, je sais pas ce que ça fait. Ah, pas un archer. Franchement, je déteste à peu près tous les ennemis de ce jeu, quoi. Il y en a certains, tu vois, il n'y a pas de soucis. Mais là, ah ben voilà, en plus une potion. Bien, Smithers. Allez hop, on va pouvoir monter. J'ai le doigt, j'en peux plus, je m'arrête pas de cliquer. Cliquez. Alors. Oh, putain, j'ai mal. Mais j'ai vraiment mal en plus, c'est vrai. C'est pas pour faire genre, j'ai mal. Alors, il me reste quoi? Ah. Alors, où est-ce que je vais le trouver, lui? Si vous voyez un truc qui brille. Ah ben voilà, là. Vous hurlez. Il est là! Allez. Chargez, s'il vous plaît! Et hop! Eh
Eh ben voilà, tu vois quand tu veux. Eh ben GG moi. Je suis plutôt fier de moi. Moi et moi-même sommes fiers de nous. Allez. Dernière ligne droite avant l'archi-démon quoi. Putain, il va m'en mettre mais tellement plein la gueule, je sens quoi. Allez, let's rock. Parti. Bon, déjà ça part mal. Oups, attends, on va revenir au village avant toute chose. Acheter des potions, je suis désolé, c'est comme ça, c'est la life. C'est la life. Consommateur fidèle, tu m'étonnes entre temps avec tout ce que je peux prendre dans la gueule. Y a de quoi, hein. Y a de quoi. Allez, vas-y, identifie tes cartes. Vieux débris que t'es. Alors, Renault Fantôme Pastureau. Et celle-là, elle fait quoi? Elle fait le café. L'archi canard. J'avoue, ouais. C'est exactement ça, quoi. Le petit canard. En plus, il est tout mignon, quoi. C'est, tu crois que c'est un mec qui a l'air super sympa, mais en fait... Oh, 10 000. Bah ouais, on va récupérer les lots maintenant, quoi. J'aurais dû les récupérer après. J'aurais dû attendre. Je vais tout collecter. Ah, même là, ils sont allés me foutre des lootbox, tu sais. C'est oufissime, quoi. Putain, c'est de partout, t'en as, quoi. C'est imbuvable, quoi. Et du coup, améliorer les cartes... non, c'est bon. Allez, tout le monde descend. Donc je disais, derrière la ligne droite... avant le combat final. Et de montrer au monde à quel point je suis le sauveur que tout le monde attend. Comme ça demain je pourrais dire à mon directeur que j'ai sauvé le monde. J'ai sauvé le monde d'un archidémon. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? J'ai sauvé le monde, monsieur. Je suis si fier de vous, je vous augmente. Ah non, c'est pas vrai. Si, j'insiste. Quand même, en plus de votre travail, vous sauvez le monde. Vous tuez des démons et tout. Je suis si fier de vous. Le mec qui pleure, qui te serre la main et tout. Organise un banquet pour toi, quoi. Avant de te virer. Et ouais, c'est comme ça la vie. Tellement triste. Allez, bim. Aïe, ça fait mal. Hop, lui il avait un bouclier, j'avais pas vu. Bon, on va essayer d'économiser. On va essayer d'économiser les potions. Parce que le niveau est encore long. Et vu que le niveau est encore long. Hop. Ne me chargez pas dessus. On va essayer de survivre avec des cœurs. Il est parti. Ah ouais, d'accord, il était allé carrément là-bas, quoi. Genre le mec, il a dit je t'aime pas, et il est parti, quoi. Ding, c'est prêt. Oh, rare. Carte légendaire. Hop. Die. Putain, n'empêche, ça me fait penser qu'il faudrait que je retourne jouer un peu au kobold. À l'extension des kobolds sur Hearthstone, quoi, parce que j'ai franchement bien kiffé. Hein. Très très bonne extension, quoi. C'est peut-être la meilleure qu'ils aient fait, en fait, vraiment en termes de gameplay. Je la trouve vraiment immense, quoi. J'aurais aimé qu'ils fassent vraiment un solo comme ça depuis le début du jeu, quoi. Je trouve génial, quoi. Un truc comme ça en solo avec justement des missions générées aléatoirement, des trucs un peu comme ça. Ça aurait été tellement énorme. En plus, du coup, j'aime bien le délire, genre un peu de donjons et dragons derrière, quoi. Je crois que c'est Dungeon Ball. C'est vraiment très très bien foutu, quoi. On sent l'influence derrière. Je drôle papier et tout, quoi. C'est énorme, quoi. C'est ce qu'il fallait un peu, ça manquait, quoi. Parce que l'extension du Roi Lich, qu'est-ce qu'elle est dure, quoi. J'ai terminé le Roi Lich, mais en prêtre, j'ai terminé. J'ai pas terminé avec les autres parce que c'est d'une difficulté.
qualité, mais atroce, quoi, je trouve. Alors après, on va me dire, ouais, mais avec les bons decks, franchement, tu y arrives. Ouais, mais franchement, même avec les decks, pardon, d'internet, franchement, il y a des trucs, j'ai du mal, quoi, c'est... Après, je sais que c'est bon, hein, je joue comme un cul, mais franchement, c'est super dur, quoi. Et les mecs, ils auraient pu franchement pas baisser la difficulté, mais peut-être mettre un niveau de difficulté, quoi. Parce que bon, je veux dire, pas tout le monde est à la rage de vaincre, passer sa journée à jouer Hearthstone pour terminer un level, quoi. D'ailleurs, t'as des gens qui veulent juste profiter du jeu, s'amuser, et, Il est parti où? Ouh, il est parti loin. Hop. Après, bien évidemment, ça ne reste que mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ouais, Hearthstone est très très bon. De toute façon, Blizzard, ça fait tellement depuis des années qu'ils existent maintenant. Au final, tous les projets qu'ils ont fait, je crois qu'il n'y en a quasiment aucun qui s'est soldé par un échec. Sauf peut-être le jeu de... Le jeu d'aventure action là qui était basé sur comment ça s'appelle, sur les ghosts de StarCraft, qui au final alors je sais pas s'il a fait un vide total ou s'il a été annulé le jeu, il me semble qu'il a été annulé en fait. Mais bon, au-delà de ça, je veux dire, les mecs, c'est pas pour un jeu. Ah ouais, tu comprends rien, t'es sérieux? C'est important, il y a vraiment tout qui explique quoi. En fait, si tu veux, le jeu est pas dur en soi. Il est facile à expliquer, à comprendre les rouages. Genre par exemple, telle carte fait quoi, tel pouvoir fait quoi. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'après, il faut avoir une bonne synergie entre toutes les cartes que tu choisis, ton deck. Et c'est là où ça devient vraiment complexe. C'est là que tu vois que c'est overshow, quoi. C'est moi par exemple, tu vois, je suis incapable de construire un deck vraiment bien foutu, qui a de la synergie, ou alors j'y arrive mais après peut-être 20 parties, tu vois. C'est à force de le jouer, de me dire, ah, tu vois, ça irait peut-être bien avec ça, ça irait avec ça. C'est long avant que j'arrive à saisir vraiment, parce que je m'acharne. C'est genre je perds, je vais recommencer de suite avec le même deck, et c'est pas ce qu'il faut faire en général. C'est essayer... De changer quelques cartes à chaque fois, de voir ce qui pourrait coller de mieux. Enfin, après, je parle de ça comme si j'étais un joueur expert à Hearthstone, ce qui est absolument pas le cas. Ah, bah après, écoute, les goûts, c'est vrai que chacun est différent. Mais bah, par exemple, c'est quoi? C'est un jeu Blizzard que tu préfères? Ou tu les aimes carrément pas et t'aimes pas Blizzard parce que c'est trop commercial ou... Ça peut aussi, hein, y en a beaucoup qui ne supportent pas ça. Moi j'ai un pote par exemple qui joue au jeu Blizzard, quoi, il aime beaucoup, mais il aime pas StarCraft ni World of Warcraft, quoi. Il déteste World of Warcraft, quoi. Il trouve ça moche, il trouve que ça pue, quoi. C'est pas novateur absolument pas, enfin, tu vois tous les trucs, quoi. Ah bah oui, bah Diablo, voilà quoi. Diablo 3, franchement tout le monde en a eu peur. Tout le monde. C'est quand on a vu les premières photos à l'époque, on a dit oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Pourquoi le jeu il est aussi coloré? Pourquoi il y a autant de lumière? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas le nécromancien? Pourquoi il n'y a pas le paladin? Et alors du coup on a tous hurlé, quoi. Et on avait raison de hurler, parce que le premier jour où le jeu a été lancé, les serveurs ils ont été down jusqu'à je sais plus quelle heure du mat. Je crois qu'ils ont réouvert, ils devaient ouvrir à minuit, je crois, une connerie comme ça. Et je crois qu'ils ont ouvert entre 2h et 3h du mat, quoi. Alors du coup, ça avait gueulé aussi. Et puis bon, il y a des personnages. Franchement, le chasseur, c'est quoi que j'ai pris déjà? Le chasseur de démons, je crois, ou un truc comme ça. Au final, je n'ai pas continué à le jouer, quoi. J'ai terminé le jeu avec. Mais c'est pas pour ça que j'ai continué ensuite à jouer avec. Dès qu'après le... C'était quoi, le Templier, je crois. Dès qu'il est arrivé par la suite, franchement, j'ai fait que ça, quoi. Par contre, j'ai trouvé Reaper of Soul 100 fois mieux que le jeu de base. Je l'ai vraiment surkiffé, quoi, Reaper of Soul. C'est avec quoi? C'est Matel, je crois. C'est génial.
Puis la première monture, de Diablo 3, c'était la merde parce que comment ça s'appelle. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Tu chopais des équipements qui avaient absolument rien à voir avec toi. Alors attends, je vais lire ce que t'écris, Lord Green. C'est juste que je suis un peu occupé, je pense que tu peux comprendre. Il va falloir que je recule. Plein la gueule. Et recule. Alors Starcraft t'aime pas, ou essayer mais pas aimer l'univers. Overwatch j'en parle pas. DRC par Diablo chez Blizzard. Ouais voilà. Mais après franchement Diablo 3 est bon en termes de gameplay et tout, ouais, parce que maintenant franchement ils ont fait plein d'ajouts. La map est assez vaste. Il y a plein de quêtes annexes à faire et tout. Donc le jeu est très très bon maintenant, quoi. Mais au début c'est vrai que bah, voilà, tu le terminais et puis t'avais plus rien à y foutre, quoi. Et puis bon, moi à chaque fois me reprendre des personnages, les rerolls pour me frapper les mêmes quêtes et compagnie. C'est pareil dans World of Warcraft aussi, hein, je reroll rarement, quoi. Ça me fait chier de reroll. Franchement j'espère qu'un jour ils vont trouver une parade pour ça, quoi. Genre si t'as un personnage qui arrive par exemple level 110 sur WoW, que tu puisses justement prendre et faire directement un autre personnage level max. Ça serait génial. Sans utiliser un sésame à comment ça s'appelle, genre à 20, 30 ou 60 euros, je sais plus, quoi. Those who drive to reach his lair pass through deepest caverns where yell the demon voices shrill. Down the pit that's deeper still. As they entered, so they fell. On their souls he feasted well. There's no way to stop his blight, and darkness shall consume all light. Ouais, ben ça y est, on y est là. On est à la statue du boss, quoi. Donc là, il va y avoir plus qu'à. On va terminer le jeu avant minuit, je pense. À moins que le dernier level soit mais dégueulasse à faire, ce que je doute pas. À mon avis, j'en chier. Mais... je vais aller racheter des potions aussi en sortant. Au final, j'aurais fini le jeu en à peu près 6 vidéos, je pense. Ouais, bah ouais, si je termine avec celle-là, ça aura fait 6 vidéos. Oh, le Torrid. Alors lui, il est chaud. Hein. Lui, je sens, là, il est chaud bouillant, quoi, le Torrid. Allez, go. Ouais, clairement. C'est vrai. T'as raison. J'avais bien aimé l'événement qu'ils ont fait de Diablo 3. L'événement sur Diablo 3 qui reprenait justement Diablo 1, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Parce qu'en plus, du coup, ça m'a permis de voir la vraie cinématique de Diablo 1 que j'avais jamais vue à l'époque. Et parce que moi, j'ai attaqué Cache avec Diablo 2, en fait. Et franchement, putain, c'était le top, quoi. J'avais commencé avec Diablo 1, mais le truc qu'il y a, c'est que j'étais jamais allé plus loin, je crois, que le boucher, parce que je trouvais le jeu mais vraiment trop dur. Donc j'avais abandonné. Et après, j'avais fait Diablo 2 en entier, forcément, parce qu'il y avait le Nécromancien qui était énormissime. Et le Palouf aussi était génial. Et puis bon, je m'amusais à le hacker, le jeu, c'était énorme, quoi. Je faisais bordel avec. Mais ouais, le 1, donc du coup, à la fin de l'événement, il te montre la cinématique du 1. Et putain, je suis resté sur le cul, quoi. La cinématique ultra dark, quoi, mais... on a l'impression que les mecs avant étaient beaucoup moins bridés au niveau des jeux vidéo et des scénarios. Et du coup, on avait des jeux qui étaient très noirs, très sombres. Et alors qu'on avait 10-15 ans, quoi. C'était hallucinant, quoi. Et on se frappait des jeux, mais vraiment costauds, hein. Des trucs, mais bien dégueulasses, des fois, quoi. Je me rappelle d'un jeu aussi qui m'avait choqué quand j'étais gosse, c'était Sanatorium. Je crois que c'était ça le nom du jeu. C'est tu jouais un mec qui avait un accident de voiture et qui se retrouvait dans un asile psychiatrique, en fait, mais avec des bandelettes et tout, quoi. Et genre la première quête à l'intérieur de l'asylum, quoi, c'est que t'avançais
et tu te retrouvais genre devant une statue de la Vierge Marie, mais genre en train de pleurer du sang. Et j'étais gosse quoi quand j'ai vu ça. Putain, ça m'a marqué quoi. Et le truc qu'il y a, c'est que j'arrivais pas à sortir du jeu. Et putain, c'était la misère quand mon père il essayait de couper l'ordi par tous les moyens, au final on avait tout débranché. Mais putain, c'est... ça avait été super chaud quoi, ça m'avait fait mais super peur quoi. Abusé quoi. Juste une version SD. Oui, voilà, exactement. C'est une version pas terrible quoi. Ah, Sanatorium, je te jure, c'est. Alors moi, du coup, je l'ai jamais fini. Enfin, j'avais fait que la démo à l'époque, quand j'étais jeune. Mais il y a quoi, il y a peut-être quelques années, j'avais essayé de m'y remettre dessus. Et justement, tu vois, un peu pour vaincre genre les peurs, tu vois. Mais non, tu vois, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, pas parce que je me faisais peur, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai pas le temps, ça me fait chier. Et mais ouais, c'est l'ambiance du jeu était vachement sombre, quoi. Par contre, un jeu que je vous conseille énormément, vous pouvez le trouver d'ailleurs sur PC, je pense, ou même sur la première PlayStation, c'est toute la Legacy of Kain, quoi. Et en particulier, surtout Blood on Men. Surtout le premier, quoi. Une légende du jeu vidéo, quoi, pour moi. Vraiment, quoi. Bah, avec une ambiance vraiment sombre, un peu à la Diablo, justement, avec des vampires et des humains qui les combattent et tout. Et c'est énorme. Enfin, en fait, pour ceux qui connaissent pas, tu joues un chevalier super pur, quoi, qui se retrouve à aller, je crois, à une sorte de village à la con, en fait. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'il sort de la taverne, en fait, ce mec, il se fait tuer. C'est un noble, en fait. Il se fait tuer, et partant de là, en fait, il se fait ressusciter, par un nécromancien, qui le transforme en vampire. Et au début du jeu, en fait, si tu veux, ton but, c'est de te libérer de cette malédiction. Et ouais, en fait, ton but, c'est de te libérer de cette malédiction, et tu t'aperçois que tu t'es fait rouler par le nécromancien, parce que tu pourras jamais te séparer de cette malédiction, à part par la mort. Et à la place de te morfondre sur toi-même, au final, ce qui va se passer, c'est que bah, tu vas devenir le vrai vampire, tu vas accepter le don, et tu vas détruire l'humanité, quoi. Et c'est ça qui est énorme, quoi. Vraiment. Tu as des pouvoirs vampiriques, mais de ouf, quoi. Ouais, voilà, Resident Evil 2 aussi. Alors moi, ce qui était rigolo, c'est que j'ai découvert la Legacy of Kain avec Soul River d'abord. Ensuite, j'ai un pote... Alors qu'il avait volé Blood on Men dans un magasin et qu'il m'avait donné que le CD, ce con. Alors du coup, j'avais dû me faire une jaquette et tout. Ça m'avait fait rigoler quoi. Il m'a dit, ouais, tu joues à la PlayStation toi? J'ai dit, bah, ouais. Il m'a dit, tiens, cadeau. J'ai dit, mais tu l'as pris où? Il m'a dit, ouais, je l'ai volé. J'ai dit, arrête, t'es fou et tout. Ah ouais, j'ai volé toi. Donc, c'était énorme, vraiment énorme quoi. Ouais, Blood on Men, il est génial quoi. Putain, t'as jamais fait Soul River? Alors en fait, il faut que tu fasses Blood on Men. Blood on Men 2, mais c'est pas obligatoire. Blood on Men 2, franchement, tu peux t'en branler. Soul River 2 et Legacy of Kain. Legacy of Kain Défiance. Voilà. Ça c'est vraiment la série à faire en entière, parce que c'est vraiment énorme. C'est juste parfait, quoi. Tous les jeux sombres, tu vois, comme ça, je trouve qu'il n'y en a plus à l'heure actuelle, quoi. C'est ou alors c'est du coloré, on va dire ça comme ça. C'est trop tranquille quoi. Allez. On dirait que plus rien n'est pris au sérieux en fait. Assez bizarre. Oh. Un anneau de givre, c'est qui le patron? Ding. Soin du temps. Ça aurait pu être sympa ça. Génère un senti durant le cooldown. Ça pourrait être cool pour moi à la place de l'anneau de démon ou du fléau gelé là. Faudrait que je voie, y a un truc qui me restaure un peu la vie quoi. Bah tu sais que c'est ce que je pense moi, parce que là ils sont en train de ressortir une version de Medieval apparemment. Alors est-ce que c'est un reboot? Est-ce que c'est une version 4K? Bon, dans les deux cas je suis content. Hein. Mais... À voir, donc peut-être qu'ils sont en train, parce que là ils ont ressorti Crash Bandicoot aussi. J'aimerais beaucoup qu'ils ressortent Spyro, genre tu vois une trilogie vraiment tout attachée, et puis après qu'ils partent sur la Legacy of Kain. Mais la Legacy of Kain, malheureusement, c'est Square Enix maintenant, donc c'est un véritable problème parce que ils sont obnubilés par
Mais par comment ça s'appelle, par les Final Fantasy, et par le Online, et par Lara Croft, et par tout ce qui va avec, quoi, donc... voilà, quoi, ça me touche une, ça me touche l'autre, tu vois. Bon, on va essayer comme ça. Et putain, temps de jeu estimé 24 minutes. Coin coin. Alors, je vais vous laisser 5 secondes. Je vais aller vite me chercher à boire. Et je reviens, je vous dis à tout de suite. On fait une toute petite pause et on se retrouve pour le final. Allez, à de suite. Allez, on est reparti pour le grand final. Donc, quête 3, Tree, l'archidémon. Ah, enfin on y est, quoi. Enfin on y est, on a parcouru quand même pas mal de chemin ensemble, pour le coup. Donc on a frappé tout ça, quoi. Donc c'est pas évident, faut bien avouer. Mais bon, on l'a fait. Allez, c'est parti. Coin coin. On en a pour 24 minutes à peu près. Il fait peur.
Terminer l'aventure et débloquer le mode libre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un mode libre aussi, sur lequel on pourra peut-être s'amuser et se frapper des donjons aléatoires. Allez, on va essayer de le gagner. Bong. Allez, on y croit. On y croit, on a racheté des potions. On a toute la barre de compétences pleine. Allez. Envoyez-moi votre énergie. Oh, lol. All hope lies in you. Find the Archdemon's lair and slay him. J'ai texto comme dans Diablo quoi, c'est abusé quoi. C'est vraiment la blague quoi. Hop, on se calme. On se calme mesdemoiselles. Les succubes. Ouch. Ouais, mais c'était Judas Priest. Parce que là, ils sont en train de sortir un nouvel album là. Bientôt, il devrait arriver là. La musique, c'était Lightning Strike. Lightning comme la lumière. Et Strike comme Strike. Touk, touk. C'est normal que j'ai même plus de cœur qui tombe là. Ah bah oui, parce qu'on m'a désactivé ma belle armure. Alors si on désactive mon armure, je pense pas que ça le fasse beaucoup. Je vais reculer un petit peu. Ah là j'ai fait le con, là j'ai pris cher. Je m'étais pas perçu que... On m'avait cassé mon armure. Allez, putain, les archers, mais... Coup de pied, je les prendrai, quoi. Ah, d'accord, t'es allé carrément là-bas. C'est quoi, ça? Ah. Ouais, on s'est compris. It bars me from entering, but you can break them with the nether stones. It was split in two and hidden in this dungeon. Okay. Find the shards. Ça marche. C'est parti. Trouver les deux bouts de pierre. C'est dans mes cordes. Je peux le faire. Allez. Toi aussi, je suis sûr que tu peux le faire de mourir. C'est à ta portée. C'est à ta portée de bottes, quoi. Je suis curieux de voir comment il va être foutu le mode libre, quoi. Si tu fais que descendre, si... ça doit être bizarre, je sais pas. À voir. En général, les succubes elles font que se téléporter, y'a rien de très grave. Donc c'est pas bien dangereux quoi. Ce qui est dangereux vraiment, c'est ces araignées avec. Avec comment on appelle ça quoi. Avec les archers là. Ça c'est vraiment le plus chaud quoi. Hop. Ah, mais j'imagine que. Ah non, même pas, je me suis dit, c'est là qu'il y a la pierre. Ah, garde-saut glissant, peut-être. Peut-être. Waouh! Waouh! Ah bah d'accord, carrément deux mini-boss dans la même pièce quoi. Ok, ça y est, on se sent plus pété quoi. On y va là. Ça y est, c'est comme ça quoi. Die, demons! Hop! Je sens que je vais plier. Oulala! Alors là, ce qui est génial. Je m'en prends plein le derche, on va dire ça comme ça. Résiste, prouve que tu existes. Seiya, utilise ton cosmos. Oh, je vois des étoiles. Obligé de me soigner.
die. Non, reviens. Abandonne pas ta quête, chevalier. Oh, chérie. Oh, mon doux et brave chérie. Il faisait toujours rigoler. Ça. Alors que chérie revient, putain, tu pensais aveugle pour la septième fois. Seiya et Eki sont encore à terre. En train de bouffer le sol. Un épisode sur deux Zagadoza, quoi. Je n'ai plus d'énergie. Je sens que ma cosmo-énergie s'envole. Et à chaque fois, t'as toujours l'autre pouf qui arrive, quoi, genre dans leur rêve. Je dis non, mais tu peux pas abandonner. Tu es un chevalier de bronze. Alors, du coup, le mec, il se relève et il part à l'attaque. Il n'y a plus personne qui l'arrête, quoi. Et ouais. Dire que moi mes deux chevaliers préférés c'est Yoga et Shun quoi. C'est les deux qui font le plus tarlouse quoi. L'autre il est complètement timbré. Il garde sa mère au frais dans de la glace à je sais pas combien de kilomètres sous la banquise quoi. Et l'autre, quoi, il attend qu'une chose, c'est que son frère, il vienne le sauver en permanence et porte une armure rose. Mais il a la chaîne nébulaire. Et la chaîne nébulaire, je trouve que c'est la méga classe, quoi. C'est, putain, quoi, quand il la maîtrise, mais genre, il n'y a rien, rien qui pénètre, quoi. Ça, c'est ouf, quoi. Surkiffe, quoi, chaîne nébulaire. Et Shen est vraiment beaucoup mieux quand il obtient l'armure d'or. Je sais même pas pourquoi je parle, en fait, des chevaliers du Zodiac. Là, maintenant, tout de suite... Je suis parti sur ça, j'aurais pas dû. Et voilà, mais c'est ça la magie du stream. C'est de parler de tout, de rien. Alors, on a obtenu la première pierre. Ah, on va pas y arriver avant minuit. Hein. Il reste 5 minutes. Hein. Il reste 5 minutes, on n'y arrivera pas. C'est ça, le pouvoir de l'amour, le power of love. Power of love, curious love. Et c'est la chanson de retour vers le futur. Ouais, je sais, j'ai bien chanté, on est bien d'accord. Alors, hop, on va redescendre. Ça c'est fait. Il y a encore un autre qui est en bas. Oh non! Pourquoi tu vas te foutre là-bas alors que j'y suis pas? Je comprends pas l'intérêt. Tu vas voir, je vais descendre, il va monter. Ah, ça va. Il est sage. Oh putain, ça y est, maintenant tu m'as mis ça dans la tête quoi. Ouais, bah oui, c'est ça, à mon avis, je pense que c'est ça. C'est les étoiles. Oui, il est pas beau, lui. Lui, il est vraiment pas beau. Ah, d'accord, lui, il a dit c'est bon. Va chercher à tergiverser. Je l'attaque. Ah, j'aime bien, moi, quand ça se passe comme ça. Être violent. J'essaye de garder un maximum de potions pour le boss parce que je le sens mal en fait. Alors, reste concentré. Tout va bien se passer. Ouf ! Putain, j'ai bien fait de partir. Ouch.
c'est pas très correct ce coup là. Mamie, un coup s'il te plaît. Vas-y, descends. Allez, encore. Tu peux le faire. J'ai dit qu'avant minuit on arriverait au boss. On peut le faire. Allez, me fais pas mentir. Ah lol. A demain, si je viens te voir, je veux pas entendre une musique de merde. Je te le dis. J'ai pas envie toute la soirée d'avoir de la merde dans la tronche, quoi. Ah ouais, t'as intérêt de bien jouer aussi, je te le dis. Sinon, je pars. Oh non, je veux voir du beau speedrun. Tu m'as fait rire tout à l'heure, j'ai regardé ton truc de Lara Croft, quoi. J'étais mort de rire, quoi. En plus, du coup, tu fais plein de voix à la con, comme je fais un peu moi aussi, quoi. Tu m'as trop fait rigoler, quoi. Ah oui, pourquoi? Ah, c'est énorme. C'est juste le feu, quoi. Au moins, c'est bien, ça prouve que tu t'éclates, quoi. C'est ce qu'il faut, je pense, quoi. Faut pas réfléchir à qui regarde, qui... Enfin... Faut pas, en fait, comment ça s'appelle, se dire, bah tu sais quoi, je le fais, mais j'ai peur des réactions ou quoi, c'est bon quoi, Balek. Alors, ok, donc à gauche, on va monter là. Ça, c'est censé me faire peur, je pense, mais ça ne marchera pas. Oula, pourquoi il y a plein de chemins là? L'archidémon, ok. Ah merde, il y a un truc que j'ai pas découvert. Ok. Alors il y a des fontaines un peu. Oula, il est là. Oh, la barre de vie. elle va jusqu'à là. Voilà, elle va jusqu'à ici la barre. Pour vous dire quoi. Chaud. Allez, c'est parti, combat final. On y est. À mon avis, ça va être long. Bordel, quoi. Là, je lâche pas d'une seconde, là. Merci pour ces sous-titres. On en avait bien besoin, quoi. Alors la question c'est, est-ce que tu crois qu'il craint les flammes? Surrender. Tous les bons musiciens sont déjà là. Ah, ça va alors, parfait. Voilà, là. Ah ouais, il est immunisé, il faut que j'arrive à détruire les autres là très vite. Il est parti jusque là-bas, il abuse. Ouais. Ça sent mauvais du canard, j'avoue, quoi. Ah, il est encore immunisé, il y a l'autre derrière, j'arrive pas à le choper. Ah, ça y est, plus de mana du tout. Faudrait que j'aille chercher de la mana, là. Je vais aller en chercher. Si me laisse bouger, en fait. Faut que je bouge, là. Faut que je bouge de suite, là. Là, il y a une fontaine. Parfait. Voilà. Pouf. Ouais, d'accord, c'est un mec comme ça, lui. Voilà, comme ça, j'ai récupéré de la mana. Je vais pouvoir un peu frapper comme il faut. Putain, à chaque fois, il me désactive les trucs. Ah, ça me fait chier parce que du coup, ça me fait repopper des archers. C'est pas ce que je veux. Ah,
Yes. Un petit level up bien placé encore. Poison est en train de monter violent quoi là. Allez, on redescend, on va l'attaquer direct parce que là sinon ça va être vraiment trop la merde. Allez, go. Ouch. Faut que je parte. Il faut que je parte de là très vite. Que j'aille me restaurer. Bonne nuit, à tout à l'heure. J'ai pas compris ta dernière phrase, mais c'est pas grave. Ah là là, le poison. Oui, tiens. Attends, alors là, c'est tout sauf le moment où il faut me déconcentrer, en fait. Parce que là, je sens que si je l'échoue, il va falloir que je recommence. C'est vraiment pas ce que j'ai envie, quoi. Et aussi, il faut que je le tue. Encore une visée, faut que je le tue. Je tue à 30 sous. Encore une visée, tu es lui. Encore ça va, il y a le truc de santé qui s'est remis là. Donc ça c'est parfait. Vraiment, je résiste comme je peux là. Ah ouais, non, c'est chaud. Là, vraiment, c'est super chaud quoi. Il est costaud le boss de fin. Rapide et furieux quoi. Putain. On va dire qu'il y a les flammes qui m'aident à chaque fois tout autour là pour les ennemis. Et, Ah, j'y crois pas, je les stun quoi. Putain, l'amulette de mana vite. Ah, on y est presque. Vraiment, on y est presque. Encore ça va, elle se restaure très vite la comment ça s'appelle, la fontaine. Donc ça va, c'est assez gérable. J'essaie de détruire un peu tout ce que j'ai autour de moi parce que. Alors ça va même au niveau des comment ça s'appelle, des potions, je suis pas dégueulasse. Ouais, normalement ça le fait. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va me sortir une transformation ou une tuerie du genre. Pourquoi je peux pas bouger là? Quand il veut, il meurt. Ah putain quoi. Ouais, en fait c'est ça quoi. C'est lui, il est minable, mais en fait c'est tous les mobs autour qui sont chauds. Oh putain. Putain, tout ce qu'il a lâché. Légendaire. Ah, t'imagines, tu perds maintenant quoi. La loose quoi.
voilà, franchement, je suis fier de moi, quoi. J'ai tué le seigneur des ténèbres. Ça m'aurait trop fait marrer qu'en fait le boss final ça soit le canari, quoi. C'est qui tenait dans ses mains, quoi. Putain, j'aurais trop rigolé, quoi. Je peux pas aller m'asseoir sur le trône maintenant. Ça aurait été énorme, quoi. Eh ben voilà. Yes. Ouais. Bravo Ricola. Ouais. Félicitations, vous avez tué l'archidémon. Mais votre aventure ne s'arrête pas là. Vous avez déverrouillé le mode libre avec encore plus de liberté pour paramétrer vos parties. Alors, niveau de difficulté à débloquer 4. Monstre à découvrir 2. Carte commune à trouver 1. Carte légendaire à trouver. Putain, 28. Niveau pour atteindre le niveau max 20. Succès obtenir 59. Bah putain, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Oh là, alors d'accord, j'ai droit même à un sondage. Avez-vous aimé le jeu ? Alors, you think about the game. Alors, on va lui mettre. On va lui mettre un 7. J'ai bien aimé quand même. Je vais pas lui mettre la note. Merci, merci beaucoup, quoi. Alors, quelle est la chose mémorable que vous avez pensé. Enfin, que vous avez retenu en bref de Book of Demons. Je vais marquer Quing Quing. Ou alors, attends, je vais la jouer à la Monty Python Sacré Graal. Je vais marquer Hold Duck. Merde, attends, je suis sorti du jeu. Alors, what is the worst thing about the Book of Demons? La plus mauvaise chose, je sais pas. Hot Duck. J'aurais retenu que le canard, quoi, c'est tout. Alors, la difficulté du jeu, ouais, il y avait, ouais, juste comme il faut en fait. Voilà, pas un peu trop facile, mais c'est juste ce qu'il faut, quoi. Juste bien placé, quoi. Et le canard, je sais pas, tu vois, c'est la grosse question du jeu, quoi. Oh putain, après c'est long le sondage, c'est bon, il y a trop de choses après, c'est bon, allez, ciao. Bon, eh ben je suis content. You've done it. The king of demons has fallen. Alors, le roi des démons est tombé. My friend, I never doubted you. You can't... Ok, donc là elle est contente, elle est en train de mouiller sa culotte, donc je suis bien content moi aussi. Tout le monde est heureux, parfait. Wow, 11 000 et quelques. Allez, collecte. Donc ça, c'est bon. Alors lui, qu'est-ce qu'il va me dire ? Je suis content, t'as tué l'archidémon, c'est super. There are no words that can express my gratitude. The story of your... Et ouais, parce qu'en fait, c'était ça le problème dans Diablo 1, c'est que à force de marcher sur les traces du démon et de le tuer, enfin de tuer les démons, etc., ça avait corrompu totalement mon âme, quoi. C'est chaud, quoi. The archdemon has been slain. Now that is something truly unheard of. At least I... Allez, on va identifier les cartes aussi. C'est quoi ça? Corne d'abondance. Régénère rapidement la santé, le mana. Oh, bien ça. Très très bien. Putain. Pas mal ça. C'est un beau cadeau ça. Oh, c'est une rune ça. En plus, elle est rare celle-là, je trouve. So, the archdemon has fallen. Please accept my congratulations. But ouais, en bref, also hear this warning. Immortal being. En bref, il pourrait revenir, quoi. En bref. Ok, là, putain, je peux améliorer plein de choses, mais rien que j'ai dans mon inventaire. Non, j'ai rien dans mon inventaire. Ah si, putain, la potion de santé. Bien sûr que je peux l'améliorer, tu rigoles ou quoi? Il faut quoi pour l'améliorer encore? N'importe. Tiens. Boum. Ah voilà, ça c'est bien ça. Putain. C'est exactement ce qu'il me fallait. Eh ben voilà. Je peux encore charger la carte. Je peux aller jusqu'à combien là maintenant? 12. Ah oui, 12, là c'est bien là. Putain. Pratique.
pratique, pratique. Et du coup, ça se passe comment maintenant, en fait? Donc là, l'archidémon, bon, ben, je l'ai tué, ok. Et je termine l'aventure. Oh, cinématique! The Archdemon lies mortally wounded. Evil is once again defeated. Or is it? Donc voilà, c'est justement ce que j'étais en train de dire. Au final, à force de combattre les démons, ben c'est moi qui étais corrompu, quoi. J'ai bien aimé le coup des yeux rouges à la fin, c'était énorme. GG, quoi. Alors, vous êtes sur le point de quitter cette partie de donjon et vous êtes sûr de vouloir descendre plus bas dès à présent? Ben ouais, ma foi. Pourquoi pas, quoi. Je suis là pour ça, quoi. Ok. Et j'ai déverrouillé un nouvel avatar. Je vais pas le mettre, s'il me plaît pas, celui-là il est beaucoup mieux. Ok. Alors prochain avatar, c'est le sorceleur. Ah oui, celui-là je le mettrai. Obligé, quoi. Ok, super. Alors du coup, ça se passe comment maintenant? Pas maintenant. D'accord. Donc mode libre. Et après tu fais ta life en fait, tu fais un peu ce que tu veux et comme tu veux, quoi. Ok. Ah, super ça! Alors, vous avez débloqué le mode difficulté normal. Ok. Mort perdu en mourant, 20%. Carte maudite pour le boss. Ok. Simple. Alors, d'accord, tu peux choisir là où tu veux aller, dans les catacombes, en enfer. Ok, cool. Joueur normal. Putain, joueur en difficile pour déverrouiller la difficulté. Difficile, entraînez-vous suffisamment normal. Oh, la difficulté massacre, quoi. Ça doit être tellement chaud, quoi. Ah, je pense que je vais peut-être continuer à y jouer, tu vois. Rien que pour voir jusqu'où ça peut aller. Ça peut être énorme, hein. Ça peut être vraiment très très bon, en fait, comme jeu à faire, quoi. Ok, bon. Eh ben, je suis entièrement satisfait de mon achat, quoi, tu vois. Et alors, du coup, si je sors de là... je fais quoi? Je fais quitter la session. Non, attends, pas quitter la session, revenir en ville. Je peux revenir en arrière encore ou pas? Non, je peux pas revenir en arrière. Si je fais quitter la session. D'accord, donc quitter la session, je reviens là. Donc le mien, il est level 30. Alors du coup, j'ai la rogue. Et enfin, la brigand. Et j'ai le mage. Panthéon intrépide, pardon. Putain. Ok. Du coup, ouais, ils sont level 0. Ah ouais, du coup, il va falloir se refrapper tout le jeu, en fait, quoi. C'est violent, ça, par contre. C'est super violent. Je vais voir, admettons, avec le mage. Balichu. Arino. Jorador, c'est sympa, Jorador. Apparaît sur Panthéon, mais leur mort est définitive et vous fait repartir à Zoro. Ouais, putain, comme dans Diablo 3, quoi. Livre de glace, qui est golem. Ah, tu peux... Excellent, ça évoque un golem puissant, quoi. Fais voir. Ah ouais, tu repars vraiment à zéro, de chez zéro, quoi. Is that really you? Ok, super. Bon, là, on te présente en fait les personnages au fur et à mesure. De toute façon, on connaît déjà le délire. Ouais, franchement, il est très bon, hein. Il est très bon. Et puis surtout, quand tu termines le jeu, au final, tu... T'imagines tout ce qu'on a fait, en fait, depuis le début, quoi. C'est oufissime, quoi. L'antipape. J'ai bien aimé l'antipape comme boss. Il m'a surpris, quoi. J'ai beaucoup aimé, quoi. Alors du coup, fais voir, juste pour tester 5 minutes. Après, de toute façon, je vais y aller, je vais me coucher, il est déjà minuit et quelques. D'accord. The dead seem to be particularly lively today. Ah ouais, il a l'air de tirer vachement de plus loin, j'ai l'impression. Ou pareil que le guerrier, en fait, j'ai l'impression. Ça a l'air bizarre. Ça me fait rigoler de me dire, putain, il y a un ennemi, quoi, dans le truc.
Bah, de toute façon, c'est vraiment comme le guerrier, du coup, parce que tu peux les attaquer de loin, y a pas de soucis, quoi. Mais il doit avoir de méchants sorts, hein. Il doit avoir de méchants sorts, après, je pense que... Genre, tu dois pouvoir sûrement invoquer des squelettes ou des trucs comme ça, ça doit être la folie, quoi. Autant l'autre, la recherche, je vois pas trop l'utilité, tu vois, mais le magot, ouais, je pense que ça doit être énorme à jouer, quoi. Ah oui, effectivement. C'est, tu peux tirer sur des trucs et... ça part tout seul, quoi. Ah oui, alors là, le truc, est-ce que... Pour le mage, ça va être super dur parce qu'il va falloir gérer la vie et la mana, et surtout la mana, quoi, je pense. Ça va être très très dur, quoi. Parce que déjà, moi, vu comme j'ai pris cher sur la fin... Waouh, quoi. J'imagine même pas la fin du jeu avec le mage, c'est impensable. Vraiment impensable. Je vais essayer de terminer ces deux étages là. Voir si j'arrive à débloquer un pouvoir, qu'on voit ce que ça donne un peu. Ah, je pense qu'on va en débloquer un là maintenant. Good. Voilà. Petite boule de feu. Bien ça. Ouais, du coup ça change un peu le gameplay, quoi. Enfin le gameplay quand même reste le même, faut pas déconner. Alors là j'ai fait quoi là? Disponible 10-10. D'accord, donc c'est... Oh cool. Ça c'est bien parce que du coup ça marche en même temps que tes tirs. Donc du coup t'as qu'à l'activer. Et boum 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 boum. Take this. Faire grave mal le mage, vraiment quoi. Je pense que ça peut être le fou à jouer. Bon, par contre j'ai plus de mana, hein. Il va me falloir des trucs qui augmentent à mort, quoi. J'ai souvent utilisé le mage dans Diablo 1 par rapport aux autres car les persos sont trop lents, du coup un galin on se prend tout dans la gueule, l'archer fait peu de dégâts. Ouais, voilà, ouais, si à la limite je devais refaire le jeu, je le ferais en mago, quoi, clairement, parce que je sens qu'il y a des il doit y avoir des pouvoirs de ouf avec, quoi. Il doit y avoir de méchants trucs, quoi. Ah, du coup, ça compte pour ton expérience aussi totale, quoi. Sympa. Sympa, ça. Ouais, on va revenir en ville. Toulouk. I've been busy too while you were away. De toute façon, y'a rien à récupérer là, voilà. C'est ce que je pensais. Greetings, traveler. Magical call. Ok, bon, eh ben on va s'arrêter là, parce que c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Très content, très content d'avoir fini le jeu. Je sais pas si je continuerai en mode libre, ou si je continuerai avec le mage, ou... mais je pense que ça sera dans longtemps. Ça sera dans longtemps quand je reviendrai dessus, pour me faire plaisir ou quoi, parce que là j'ai vraiment d'autres jeux à faire. Il faudrait que je me bouge le cul parce que là, avec les Monster Hunter et tout qui vont arriver, ça va être compliqué, quoi. Bon, allez, sur ce, passez une bonne nuit. On se voit demain, sûrement. Et puis voilà, dormez bien. Et encore une fois, merci Lord Green, et je passe te voir demain, pardon, sans faute. Allez, ciao.